tout petit éclat. Mais bon, voilà, je pense que c'est inévitable. Hein. En 131 000 km, des éclats, on en prend. Un éclat un peu moins petit. Voilà. Donc, quand on se penche sur la voiture, forcément, à l'avant, on trouve des petits éclats. Globalement, on n'y fait pas attention. Petit éclat de portière, je pense. Là, on peut voir avec la lumière, je pense. C'est dur à voir, c'est rien d'extraordinaire, mais on peut voir ici, là. Il y a. C'est pas une rayure, mais c'est une déformation, quoi. Voilà. Ça ressemble à une rayure, mais c'est une légère déformation. On le voit bien quand il y a la lumière, là, on le voit sur la vidéo, je pense. Et ici, il y a une rayure. Pas très profonde. On n'y fait pas attention là où elle est placée, mais elle y est. Ensuite, sur le rétroviseur, ça a dû frotter ici avec l'ancien propriétaire et je sais pas ce qu'il a fait, il a dû prendre un éclat ici. De ce côté, bon, mais elle commence à être sale forcément. Je suis allé la laver, mais avec la neige qui est sur la route, on les voit pas. Mais il y a un ou deux petits éclats de. Pas d'éclats, de petits coups de portière, mais j'arrive pas à les retrouver là. Et ici, il y a un petit coup aussi, on le voit à la lumière. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, c'est dur à voir. Il y a un petit quelque chose quoi. Voilà, enfin, faut y prêter attention pour le voir. Au niveau de l'arrière, donc c'est un petit peu râpé ici, le plastique. Ici, un éclat, sachant que ça c'est une partie en plastique qui peut se changer. Je pense qu'il ne doit pas coûter bien cher, je ne me suis pas renseigné. Et ici, il y a un éclat aussi. Enfin un éclat, enfin, c'est griffé. Et là. Un petit truc là. L'enfoncement sur le coffre, le voici. Voilà, voilà, à peu près 2 cm de long sur un demi centimètre de large. Voilà, donc au niveau esthétique, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je vais passer à l'intérieur, mais sur une autre vidéo, parce que ça va faire long là.